Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous introduis dans une nouvelle série. C'est tout simplement à propos des excuses que vous pouvez vous trouver. À propos de présenter les conditions à votre client. Alors, peut-être vous avez posé, ouais, mais comment ça, des excuses? Oui, il y a des gens qui se trouvent des excuses. Et il est important de savoir tout simplement ce que vous faites mal, les erreurs, en quelque sorte, avant de continuer. Donc la première excuse que les gens se trouvent, c'est, et la plupart du temps les managers par exemple dans les entreprises, c'est qu'ils te disent, ouais mais la personne elle va pas acheter du coup ça sert à rien de la présenter et en plus si je la présente, elle va tout simplement regarder mon concurrent et regarder c'est quoi le prix. Le truc c'est que si vous avez cette excuse-là, c'est parce que vous souciez de la valeur que vous avez apportée. Alors vous n'avez même pas apporté de valeur, je pense. Donc, si vous vous souciez de ça veut dire que, eh bien, votre présentation, le trial close, trouver le besoin, accueillir le client, eh bien, vous n'avez pas fait ça correctement et vous n'avez pas assez apporté de valeur. Parce que lorsque vous apportez assez de valeur, le client, eh bien, il est proche de la conclusion de la vente. Vous êtes juste à présenter, juste à peut-être rétablir un peu au cas où s'il a des questions ou des problèmes. Mais si vous avez cette excuse-là, c'est parce que vous avez soit manqué les quelques petits points vraiment fondamentaux dans les étapes du processus de vente précédente, ou soit tout simplement parce que vous ne croyez pas et vous n'êtes pas sûr que vous allez vendre et réussir à conclure cette vente.